Vortec. Salut à tous les gamers, c'est moi Vortec. Aujourd'hui je fais ma petite vidéo setup parce qu'on m'avait demandé depuis un moment de voir à peu près déjà à quoi je ressemblais et également un peu mon environnement où je joue. Donc je vais vous faire le tour de ma chambre, vous montrer un peu comment disposer tout mon matériel, etc. Et puis voilà, j'espère que ça va vous plaire. Bon, on va commencer par le lit. Bon, je vois pas très très grand intérêt à vous montrer mon pieu, mais bon, on va vous montrer quand même. Un lit assez sympathique, assez moderne. Bon, bref, passons aux choses sérieuses. Alors, je m'en sors sur mon lit, ce sera plus facile. Donc là, il y a ma télévision avec la Kinect au-dessus. 63 cm, pas une très très grande télévision, ça fait un moment que je l'ai. D'ailleurs, j'avais fait mon tout premier montage. Lord Wartek a eu pas mal de succès à l'intervention sur cette télévision là. Vous pouvez reconnaître le petit Samsung en bas, c'est assez mignon. Là, on retrouve mon Mac, hein, que vous pensez sûrement. Vous savez pratiquement tous que j'ai un Mac. Donc voilà, c'est mon petit Mac avec ma chaîne YouTube au fond. Là, j'ai ma petite Xbox. En dessous, dans le tiroir, il n'y a pas grand chose. Il y a mon PX21 que j'utilise très rarement. Parce que ça me fait chauffer les oreilles. Et puis plein de câbles que j'ai la flemme de ranger. À côté, on a quoi? Ah, alors là, on a le PVR. Un petit PVR, ça c'est un décodeur craqué. Pour à peu près toutes les chaînes. La petite barre que vous voyez là, c'est une barre de refroidissement sur laquelle je mets mon Mac. Puis là, le câble qui traîne par terre, c'est le câble du PVR pour brancher au Mac. Là, j'ai un peu de matos, des manettes, télécommandes, micro, etc. Et là, c'est là que ça devient sérieux, c'est un peu tous mes jeux. Bon, j'en ai plus beaucoup parce que j'en ai revendu pas mal qui me servaient plus à grand chose. Mais bon, principalement, vous pouvez voir Call of Duty, Counter-Strike, je l'avais sur Xbox. Mais j'ai jamais eu la Xbox, mais j'avais acheté Counter-Strike sur Xbox pour le tester. Halo 2, Halo 3, League 2, Gears of War. FIFA, Fringe, incroyable série. Halo Reach, après il y a les jeux un peu de Kinect, Medal of Honor. Celui-là il marche plus, c'est dommage, c'est un très très bon jeu. Stranglehold, je l'avais acheté à 10€ je crois. Un autre Gears of War, ouais, j'en ai deux, parce que il y en avait un qui marchait plus. Unreal Tournament, j'ai pas du tout aimé. Des points de Microsoft que j'avais acheté avec des abonnements, etc. À tous les Call of Duty qui sont dehors, que j'utilise le plus souvent. Call of Duty, jeu mythique pour ceux qui n'ont jamais vu le CD. À quoi ça ressemble. Très vieux jeu. Un top spin qui traîne là-bas en dessous. Et puis. Je vais vous montrer ça. Je pense pas que ça va intéresser grand monde. Mais à côté de la Xbox, j'ai une autre passion qui peut paraître un peu bête. Mais je fais du baby-foot au niveau pro. C'est-à-dire que je fais des tournois, etc. Il y a une semaine où j'étais pas là, où j'avais rendu un top 10, je crois, en retard. Justement pour ça, j'étais parti pour un tournoi. Et c'est principalement en Allemagne, donc c'est pas à côté de la Suisse. Voilà, j'ai gagné quelques petits tournois, c'est pas des gros gros tournois, mais c'est toujours sympa, ça fait une passion en plus à côté. Et voilà, à part, je continue un peu à faire. Ah, on va regarder ce qu'il y a dehors. Il fait beau en plus. Aïe, je suis coincé. C'est joli dehors. Ces belles vues, c'est sympa. La Suisse, quoi, pour ceux qui connaissent pas, avec les montagnes en fond. Ouais, ils font des travaux superbes en face. Voilà, je crois qu'on a à peu près fait le tour. J'ai un grand miroir qui sert pas non plus à grand chose. Enfin, si, c'est l'armoire. Pantoufles, chaussures, super. Non, je ne suis pas un alcoolique, mais c'était des soirées, donc voilà. Et puis voilà, je pense qu'on a à peu près fait le tour et voilà. J'espère que cette vidéo vous a plu et puis dites-moi si vous voulez voir un peu plus mon visage quand je fais des vidéos, etc. Je pars ce samedi en vacances pendant 10 jours. Je pense que je vous ferai peut-être des petites vidéos là-bas comme ça avec mon iPhone. J'espère que ça vous plaira et puis voilà. À bientôt tout le monde.